Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette édition du Live de Poche où on accueille Edatial. Comment on en arrive à jouer de la contrebasse, sachant que c'est pas l'instrument le plus mobile qu'on peut amener chez des gens comme ça, ou avoir toujours sur soi? Bon, déjà c'est sûr que c'est pas une décision rationnelle, clairement pas. À force de chercher l'instrument qui me correspondait, j'ai redécouvert à l'âge adulte la contrebasse, et en fait je me suis souvenu que c'était le premier instrument que je voulais jouer. J'ai dû voir un concert petit à 4 ans,
de jazz ou quelque chose. Mon père m'avait amené et j'avais adoré l'instrument. Et voilà, c'est resté quelque part. En prenant la contrebasse, il y a eu une vraie histoire d'amitié qui s'est renouée, quoi. Voilà. Alors là, on a eu une version un peu intimiste de ta musique, mais si on l'écoute sur album, on a quelque chose de plus travaillé, avec de l'électronique, avec un mix de vrais instruments, de petits bidouillages électroniques. Bah, y a beaucoup de productions. Anto, avec qui on a fait l'album, a aussi une casquette de réalisateur de cet album, et donc on aime beaucoup explorer ce qu'il est possible de faire avec de la matière. Par exemple, le tout premier morceau qu'on vous a chanté en français, Déjà Vu, qui est le seul de l'album. De Vallenato, donc c'est la musique de la côte des Caraïbes aussi, parce que l'accordéon en réalité on se rend compte que c'est un instrument qui a voyagé et qui relie largement les continents européens et celui de l'Amérique latine, sauf qu'aujourd'hui il est devenu complètement désuet ici, alors que là-bas ça reste un instrument extrêmement populaire. Donc voilà, on a récupéré plein de matières qui restent organiques en réalité, mais qui est fait office là de quelque chose de plus produit. Voilà. Et quand tu dis que tu as récupéré des morceaux, c'est-à-dire que ton album par exemple c'est fait avec des samples aussi, de musique d'autres? C'est des samples, mais alors normalement un sample il y a un temps, minimum qui permet de dire qu'on le reconnaît. Là il n'y a quasiment pas, enfin par exemple il y a un bout de voix de Carlos Gardel qui est un grand chanteur de tango. Si je le dis pas, personne ne peut deviner. Anthony s'était amusé avec l'histoire de la mouche à recréer un clavier sonore avec un son de mouche. Donc ça fait comme ça, mais en fait, après ça refait des notes et on crée une nouvelle matière sonore avec ça. Donc là, quand on revient à quelque chose de plus intimiste comme ça, est-ce que on a la version de départ des morceaux ou c'est carrément repensé? Parce que tu peux pas avoir toute la même production que quand tu es chez toi en studio à travailler. Ah bah clairement, on peut pas avoir la même dynamique là. En fait, c'est comme si vous redécouvriez des morceaux. Alors c'est rarissime qu'on fasse ce genre de format de concert en acoustique et c'est chouette parce que ça nous permet de revisiter nos morceaux, de chercher l'essence. On a plutôt eu envie avec Anto de faire un album qui crée un pont entre la Colombie et la France, mais aussi entre ce qu'on aime d'organique dans nos références, la musique latino-américaine évidemment, la Colombie, les rythmes traditionnels. Et voilà, donc ce morceau s'appelle Lo Dudo, c'est une valse. No.
Comme ça, ou parfois il y a plus de machines, ou il y a même d'autres musiciens, ou c'est toujours un duo? Non, non, on est en quartet, en concert. En fait, ça a été un long cheminement parce que on voulait à la fois pouvoir garder des matières qu'on avait récupérées d'enregistrement, donc cet accordéon, etc. On s'est dit, c'est pas possible, on va être obligé de lancer des séquences. Et donc, on s'est dit qu'à quatre musiciens, on pouvait tout jouer. C'est ça la grande différence. Tu disais être inspiré par le traditionnel colombien. Ouais. Est-ce que c'est par du traditionnel qui existe déjà, c'est-à-dire des mélodies qui sont un petit peu dans le patrimoine colombien, ou bien c'est plus un esprit, une manière de faire sonner des instruments, des choses comme ça? La Colombie, ça nous inspire même dans le vécu, c'est-à-dire dans les histoires racontées, enfin l'imaginaire même de mes paroles. Typiquement, si je vous parle de... Alors, on n'a pas joué là al pelo. Les parties percussives sont des ciseaux parce que ça se passe dans un salon de coiffure et ça appartient complètement à l'imaginaire du réalisme magique de Gabriel García Márquez, par exemple. C'est des auteurs qui, en fait, racontent la réalité, mais dans le traditionnel latino-américain, on exagère toujours tout. Et donc là aussi, j'ai l'influence de la Colombie dans les histoires. C'est un morceau qui est parti d'une femme que j'ai rencontrée dans le métro, enfin que j'ai pas rencontrée du tout, que moi-même dans ma tête j'ai rencontrée. En réalité, elle chantait avec des pièces de monnaie et je trouvais ça incroyable parce qu'elle faisait une rythmique comme ça, je sais pas, c'était très naturel et elle avait une voix extraordinaire. Et j'ai eu une hallucination sonore où j'entendais tout un demente. Et en fait, je pense qu'elle chantait pas du tout en espagnol parce que je comprenais rien de ce qu'elle disait pour le reste. Mais il y a eu cette hallucination et on s'est amusé, Anthony, après à recréer un morceau à partir de ce moment de vie dans le métro. Donc, tout à fait. Sabe loca, inestable, ale.
C'est pareil, il faudrait réfléchir à une vraie traduction parce que Douce Brute ne veut pas dire Suave Bruta. Ça a aussi une énorme référence avec un disque de Joey Arroyo qui est un chanteur de salsa colombien très très important dans l'histoire de la salsa colombienne. Et il a un morceau qui s'appelle Suave Bruta. Donc non seulement ça parle de contradiction, mais au-delà de ça, il invite surtout au respect. C'est-à-dire au fait de respecter les autres. Moi, j'ai fait le lien avec mon intime de dire que si je respectais toutes les parties de moi que je trouvais contradictoires, aussi j'arriverais à trouver une certaine harmonie. Cet album, il parle vraiment de cette réconciliation et à la fois de dire qu'on prend soin de soi et qu'on prend soin des autres et des différences entre nous. Alors, il y a un petit passage obligé pour les lives de poche qui se passe toujours dans des médiathèques, c'est de laisser l'artiste un petit peu déambuler avant son concert, oui. Et puis choisir trois produits culturels de son choix. Mm-hmm. Donc généralement, tu me les présentes. Alors j'ai choisi l'album de Rosalía, le premier, parce que justement il y a ce travail de mélange entre le flamenco, surtout, et la musique expérimentale. Pour nous en France, on était un peu tout seuls à faire des choses comme ça en 2017, et le fait qu'elle soit devenue connue, ça a ouvert aussi les portes à écouter de l'espagnol d'une façon différente que juste de façon traditionnelle, c'est-à-dire de se dire que l'espagnol, il peut aussi être lié à l'expérimentation et pas que l'anglais. Alors, merci beaucoup Rosalía pour ça, parce que du coup le fait qu'elle ait été connue avec cet album, ça nous a aussi ouvert les portes en France pour faire la musique qu'on fait. Il y a aussi Tout sur ma mère d'Almodovar. Voilà, il y a un répertoire extraordinaire dans les films d'Almodovar, et notamment vous connaissez sûrement Cucurru Cucu, qui est chanté par Caetano. C'était un peu les débuts pour moi du fait de chanter en espagnol. Et puis l'imaginaire de ce réalisateur, c'est juste incroyable. Et Pablo Neruda, on a une grosse tradition de las décimas, c'est-à-dire en chanson, on écrit donc des strophes de 10 vers en octosyllabes. La poésie est encore très présente dans la chanson latino-américaine, et Pablo Neruda m'a beaucoup influencée parce que j'étais à l'école espagnole à Paris. Et donc on a eu, c'est les grands classiques qu'on étudie quand on est jeune et qui m'ont beaucoup inspirée pour après écrire mes textes en espagnol. Et Datias, vous pouvez l'applaudir. Merci à tous d'être venus à cette troisième édition du Live de Poche. On remercie la médiathèque Aimé Césaire de Villiers-le-Bel et puis l'agglomération Roissy-Pays de France. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère. À bientôt.